représentation de que la société joue un rôle majeur dans la façon dont... Non, non, mais vous allez le voir, hein. On va le voir, parce que j'irai aussi, je suis heureuse. Médicalement assistée, dont on peut se réjouir, elle ne laisse pas indemne le rapport à la vie. Vraiment, oui, c'est quand même des avancées. De la technique qui va résoudre tous nos maux. Je suis à la fois d'accord avec vous, et puis que la société joue un rôle majeur dans la façon dont on peut s'approprier ce développement technologique en partie. Mais, oui, si vous mettez de manière très pragmatique, aujourd'hui, il y a un problème de la faim. Si aujourd'hui ou si demain, la biologie synthétique me montre que dans des conditions, je dirais, on va dire, éthiques, convenables, et quand je parle d'éthique, je parle que ce ne soit pas au prix d'un profit particulier ou du dévoiement dont il faut réfléchir, mes règles de ce problème, j'achète. Je suis désolé. Je travaille sur le VIH. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais que ce soit en termes de vaccination ou en termes de traitement, on ne réglera cette maladie, bien que dans vos journaux on dit l'inverse, que les journaux habituels ont dit l'inverse, y compris d'ailleurs des grands scientifiques. Je pense qu'on pourra intervenir autrement que sur l'inclin du gène, c'est un gène intégré. Vous voyez, à partir du moment où il est intégré, c'est fini. Si on veut le bloquer, il faut faire l'intervention génétique, par de la biologie synthétique, par de la thérapie génique, ce que vous voulez. Et pour la vaccination, il n'y a pas d'immunité naturelle. Donc le concept de la vaccination tel qu'il est développé encore aujourd'hui n'a aucune chance de fonctionner, puisqu'on vaccine comme les Égyptiens il y a quelques milliers d'années. On injecte un bout de protéines qui est censé provoquer l'immunité mémoire, mais comme ça ne marche pas naturellement, il n'y a aucune raison de la provoquer artificiellement. Donc, on ne marchera pas sur ces concepts-là. Et plein de modèles, on utilise la biologie synthétique ou la thérapie génique dans le sens d'agence. Donc, on dit le sida, c'est un drame. Je ne sais pas si tout le monde le dit, mais enfin, il y a un certain nombre de gens qui le disent. Moi, je le dis aussi, bien entendu. Mais il faut savoir qu'on ne contrôlera pas cette maladie, ni en termes de prévention vaccinale, qu'on appelle le vaccin, ni en termes thérapeutiques, si on n'utilise pas, un terme générique, on va dire, de biologie synthétique, en tout cas au moins de thérapie génique. Avec des problèmes, bien entendu, sociétaux, de faisabilité, d'accessibilité dans les pays en développement, enfin bon, toutes ces choses-là que vous avez évoquées de ci-de-là, enfin de ci-de-là, et qui sont très importants, hein, je n'y nie pas. Mais sur le fond, je ne vois pas comment on peut faire autrement. J'ai pris ces deux exemples, parce que bon, ils sont assez. Donc voilà, alors, le problème, c'est comment on construit des garde-fous, comment la société peut intégrer tout ça. C'est ça les vraies questions. Mais la question de savoir si il faut ou non, si on peut ou non, ou s'il y a des problèmes de fond de développer certains domaines de la biologie synthétique, l'utilisation de la génétique, je ne vois pas comment on pourrait s'en empêcher à partir du moment où on a la connaissance pour le faire. Je ne vois pas comment, si on veut aller vers une amélioration de la condition humaine dans certains domaines. Oui, j'avais un peu dans le même sens que vous. Je pense que dans la question de la biologie synthétique, il y a des questions grandioses que j'appellerais plutôt d'ailleurs métaphysique, éthique, c'est qu'est-ce que la vie, est-ce qu'on peut vraiment produire de la vie, où est-ce qu'on utilise déjà du vivant, etc. Et puis il y a des questions aussi de société, quelle technique veut-on, enfin, madame Grenoble, vous savez bien que, enfin, quand on voyait à Grenoble, pas avec ses mains d'œuvre ou trousses, enfin, des discussions, effectivement, et des discussions sur dans quel type de société veut-on vivre. Des questions très générales, dans le temps, il y a des choses beaucoup plus simples. Si on prend le projet que vous êtes en train de faire, il s'agit d'un traitement du cancer, de trouver un truc. Alors on appelle ça biologie synthétique. Est-ce que c'est du génie génétique, de la biologie synthétique? On peut
peut discuter abondamment, mais on est dans le paradigme, disons, de la biologie contemporaine. Et puis, si ça marche, vous dites, tout le monde sera extrêmement heureux que ça marche. Donc, je pense qu'il y a des questions proprement éthiques, de sécurité, safety, etc., des questions aussi de distribution, enfin, comme vous l'avez très bien dit, hein, des questions de distribution, de justice distributive, et des questions métaphysiques qui, moi, je suis philosophe, alors sont passionnantes, évidemment, pas, mais qu'il faut, je crois, bien séparer. Parce qu'elle ne pose pas les mêmes questions et on peut régler les uns sans régler les autres. Alors, il y a quelque chose qui fait peut-être le point. Il y a quand même. Alors, bon, moi, je vois, en Suisse, d'abord, on est différent de tout le monde, puisqu'on n'est pas dans l'Europe, donc le terrain même. On remarque chacun. Chacun différent l'un de l'autre. Pardon, mais. Dans les commissions, donc c'est multilingue, et je me rends compte qu'il y a quand même une différence de tempérament entre les Alémaniques, qui sont des Allemands, et les Romans, qui sont et très fréquemment, j'ai entendu, surtout de la part d'Alémanique, une critique de celle du technological fix. L'idée que si on a une réponse technologique à un problème humain, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est une position assez technophobe, d'une certaine manière, en Internet. Et peut-être qu'en France, c'est moins frappant, mais c'est aussi, je pense, une question de vision du monde. Ce n'est pas une question de trouver une réponse à un problème particulier, ou bien on estime qu'un certain type de réponse est moralement problématique. Enfin, je pense que c'est une erreur en ce qui me concerne, mais ça fait aussi partie du débat public, c'est clair. Monsanto, pas tout le monde en a parlé, mais on utilise aussi des OGM pour produire de l'insuline. Et ça, on n'en parle pas. Et alors que c'est utile à énormément de monde et de plus en plus de monde. Alors là encore, si je peux apporter un exemple, puisque nous on vote sur ces questions-là, ce qu'on a remarqué, donc, quand on a voté sur les OGM, que les applications médicales sont plébiscitées par les gens, les applications agronomiques sont refusées. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'OGM dans l'assiette, bon, certaines personnes n'avaient pas très bien compris, on ne voulait pas de gènes dans l'assiette. On a dû leur expliquer. Mais par contre, pour la recherche et pour le médical, c'est pour ça que la population est positive, a priori positive.